Zorobabel, Iri, PL. Wow. Bonjour, bonjour. Bonjour au pasteur Patrick Kwam. Bonjour. Bonjour à l'apôtre Serge Ekom, à Georgette Marie. Bonjour à Christelle Fosso. Bonne arrivée. À Bel Tokono. Bonjour à vous. Bonjour à Ange Mbana. Bonjour à Eriko Boimanga. Oh, ça c'est merveilleux de vous retrouver. Extraordinaire. Ça c'est un direct dangereux. Très très dangereux. Donc si vous avez des prédispositions à l'AVC, pardon, déconnectez-vous. Il faut fuir. Il faut fuir. Il y a un grand philosophe qui a dit quitte le peuple avant que le peuple ne te quitte. Si quelqu'un se souvient de son nom, qu'il me donne sa pardon. Donc pardon, pardon. Si tu as des prédispositions à l'AVC, ne suis pas. Demande après au frère, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'on t'explique ça doucement, doucement. Nous attendons nos amis, partageons la vidéo dans les groupes. Tous les groupes, s'il vous plaît, tous les groupes. Invite tes amis. Ce matin, ça sera très, très grave. Très, 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 très grave. C'est mauvais. C'est très mauvais, je vous dis la vérité. C'est mauvais. Passe l'annonce autour de toi, rassure-toi. J'aime quelqu'un, que la personne se connecte à ce direct. Que la personne se connecte. Qu'elle se connecte. C'est dangereux. Partagez ça aux hommes de Dieu. Je parle à mes fils. Bonjour à Paul l'évangéliste. Partagez aux hommes de Dieu, parce qu'on est en train de faire un travail très sérieux là. Que chacun puisse raisonner, réfléchir. Le christianisme aujourd'hui est devenu, ça veut dire, c'est un peu comme un nid de paresse. Mais on va réfléchir, on va tourner nos méninges devant le Seigneur notre Dieu. On va travailler. Je vais t'amener à travailler, à réfléchir. Tu dors la nuit, tu n'as pas le sommeil. C'est important. C'est la seule voie pour grandir. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous à notre page. Abonnez-vous, je vous en prie. Abonnez-vous. Ne passez pas sans vous abonner. Abonnez-vous absolument. Faites-le, Dieu vous bénira. Vous êtes dans les groupes, 10 groupes, 100 groupes. S'il vous plaît, prenez votre temps. On a le temps. On a encore, je donne encore 4 minutes. On attend les autres. Tu partages, tu invites les gens, tu appelles les gens. Voilà, on s'assoit. Tout le monde vient à la Rema Facebook Church. Et on va commencer, on va lancer les hostilités. Donc, prépare-toi. Moi-même, je me prépare. Ceux qui sont là pour insulter, préparez-vous. Hein. Choisissez de bonnes injures. Hein. Choisissez vos mots. Ne m'insultez pas avec les fautes. Insulte-moi, mais en bon français, s'il te plaît. Donc, ceux qui sont là pour insulter, prépare-toi bien. Tiens ton dictionnaire en main. Insulte dans un bon français. Donc, tout le monde doit bien faire son travail. Quand tu m'insultes, ne vais pas commettre de fautes, parce que sinon je vais corriger tes fautes. De grammaire, d'orthographe, d'accord, de conjugaison, tout ça. Donc, insulte-moi. Si tu ne veux pas que je corrige, insulte-moi dans ton patois. Là, je ne saurais pas. Je crois que tu parles en langue. Je ne saurais pas que c'est l'insulte. Je peux même dire amen. Hein? Ça, je veux dire amen. Toi, tu sais ce que tu as fait. Donc, c'est ça. Tout le monde se prépare. Tout le monde. Zamata wa inna brazeta. Seigneur Galianau Alveras, wa Ines Provi, Nublas Men Aden, wa Ines Promidali Falaxa, Saint-Esprit, je te fais confiance. Seigneur Jésus-Christ, je te fais confiance. Je sais que nous sortirons vainqueurs. Je sais que la confusion sera dans le camp adverse, pas dans notre camp. Ce n'est pas possible. Seigneur, que avec la confiance que nous avons mise en toi, que la confusion soit de notre camp. Seigneur, que ton nom sois élevé, car c'est en lui que nous sommes accrochés. Et c'est pour lui que nous acceptons tout pour ta gloire. Bina ta mita wa anna as plas. Kana u el votei wa ines mali anna u al borazo. Biasmeli kaudali falak. Seigneur, bikaros man adres. Saint-Esprit mi naudali filianna u arbaten. Manifeste ta gloire ce matin. Que le fondement de l'enfer soit ébranlé. Que ce que tu as dit soit accompli. Que tes promesses viennent à leur accomplissement. Qu'aucune forteresse, qu'aucune domination,
qu'aucun esprit méchant ne réussisse à bloquer une seule parole, un seul trait de lettre, un seul iota du livre de la prophétie de chacun d'entre nous. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Partageons la vidéo au maximum, au maximum. Voilà. À 10h10, on commence. Donne encore une minute. Invite les gens, s'il te plaît. Voilà. Invite les gens. Et on va commencer dans une minute. Donc, on va parler des choses graves, des choses très, très graves, des choses très, très sérieuses qui se passent dans l'Église. Vous allez comprendre que beaucoup d'entre nous, nous nous sommes trompés et mépris au sujet du christianisme. Et chacun va donner son point de vue. Chacun, tu donnes ton point de vue, il n'y a pas de problème, on discute. Et j'ai dit que les gens, vraiment, tu m'insultes d'un mauvais français, ils te bloquent. Tu m'insultes, il y a une faute d'accord là-bas, je vais te bloquer. Donc, quand tu m'insultes là, lis bien le texte là, tu relis ça bien avant de poster. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Il faut que moi-même comprenne bien tes injures. Tu m'insultes, tu écris. Moi-même, je ne sais pas où c'est ton patois, où c'est le français. Donc, je suis entre. Ça dit que je suis épris par une langue hybride. On va prier. Seigneur, prends contrôle et glorifie ton nom ce matin. Bénis-nous. Seigneur, bénis-nous. Nous avons besoin de toi. Si tu as besoin du Saint-Esprit, dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. C'est toi qui formes en nous l'image et la stature parfaite de Christ. Oh, Saint-Esprit, Malianaou, Abate Latawa, Anasalia, Raida Udali Flos. Seigneur, bâtis en nous l'image de Jésus. Bâtis en nous l'image de Christ. Que nous portions en nous ces marques. Que nous portions en nous les signes de Christ. Oh Dieu, que ces stigmates soient dans nos corps, que nous servions de libation comme Paul, que ton nom soit glorifié. Ouvre-nous l'esprit afin de comprendre les choses que tu veux nous dire. Béni soit ton nom. Seigneur, qu'un esprit d'amour, de paix soit accordé à chacun d'entre nous, un esprit conciliant, car c'est ça ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que Dieu te bénisse. Au nom souverain de Jésus-Christ, amen. Ok, on va commencer. Donc, le direct que nous avons eu samedi, le dernier direct, celui de samedi, nous avons parlé d'un certain nombre de choses. Et j'ai promis que nous devions revenir sur qu'est-ce qui est biblique et qu'est-ce qui n'est pas biblique. C'est quoi au juste? Trop de combats dans l'Église. Trop de divisions parmi les Églises, parmi les dénominations, parmi les hommes de Dieu. Même dans notre forum ici, tellement de commentaires du genre... Telle chose n'est pas biblique. Vous faites ceci, ce n'est pas biblique. Voilà, telle chose n'est pas biblique. Donc la phrase « telle chose n'est pas biblique » est une phrase célèbre parmi les enfants de Dieu. Maintenant, on va prendre ça. Je prends ça, je mets le sujet sur la table. Et je sors maintenant le scoop du prophète qui a été prêt à dépenser 1,5 million qui a proposé 1,5 million à une de mes filles pour m'empoisonner. On va voir, on va mélanger, ça sera un mélange molotov. On dit molotov, mais molotov, c'est comment dire ça? Vladimir Poutine, c'est quoi? Russe, voilà, c'est un mot russe, molotov. On dit molotov, mais ça avait V à la fin. Donc, bien aimé, on va mettre ça, on va parler. Vous voulez discuter, on va discuter. Oh, les gens disent non, Jésus ne se chamaillait pas, il ne se justifiait pas. Qui vous a dit? Jésus était prêt jusqu'à bagarrer, mais il prend la chicot, il fouette les gens. Tu m'as vu fouetter qui? Vous parlez d'un Christ que vous ne maîtrisez pas. Parlez d'un christianisme que vous ne maîtrisez pas. Maintenant, je vais te donner le travail. Tu vas comprendre le vrai christianisme, pas le faux. Christianisme que tu as conçu, bien qu'on t'a fait connaître à travers la tradition orale. Nous ne connaissons pas Christ par la tradition orale, mais par expérience personnelle. Beaucoup de vous pensez connaître le christianisme, vous ne connaissez rien du christianisme. Je vous dis la vérité, vous ne connaissez pas. Vous pensez connaître Christ, vous ne connaissez rien. Je vais vous prouver ça. On va réfléchir. Maintenant, je vais vous dire la vérité sur le christianisme, le vrai christianisme. Pas la sorcellerie que plusieurs d'entre nous faisons. Pas le christianisme maraboutique. Laissez-moi dire cela, c'est la forgerie. Hein? Le christianisme maraboutique que nous pratiquons aujourd'hui.
Non, nous allons dénuer, je vais dénuer, déshabiller le christianisme, le faux christianisme dans cette génération qui est passé pour vrai. Tandis que le vrai christianisme est passé pour faux. On va remettre les choses dans leur cadre. On va remettre les choses. Toi-même, tu vas rester comme ça. Ta tête va chauffer à l'intérieur. Les boutons vont se dévisser. Tu vas te demander si tu étais chrétien ou pas. On va revenir là-dessus. On va revenir sur ces choses-là. Donc, non, ça, ce n'est pas biblique. Vous faites comme ça dans votre église. Ce n'est pas biblique. Donc, vous êtes un faux prophète. Non, tel fait comme ça, ce n'est pas biblique. Est-ce que Jésus faisait ça? On vous a dit que c'est tout. Jésus a tout fait. Vous lisez même vos Bibles comment? Hein? Vous lisez la Bible, vous lisez même. Tu es chrétien, tu n'as même pas la Bible, tu viens bavarder comment? Tu viens bavarder sur notre forum. Hein? Va d'abord commencer par t'éduquer. Commence par t'éduquer dans les Saintes Écritures, dans la connaissance de la Bible. Maintenant, tu viens ici, on parle en connaisseur. Et tu parleras en connaissance de cause. Hein? C'est-à-dire en connaisseur qui a la connaissance de cause. Mais tu ne maîtrises pas la Bible, tu ne la lis même pas. Si on te demande combien de livres la Bible a, tu ne peux pas dire. On te dit même de choisir la Bible, on met les livres, les cantiques, tu vas aller prendre le cantique. Et tu viens bavarder ici que non, tes choses n'est pas biblique. Tu sais ce que c'est qu'être biblique ou bien ne pas être biblique. Hein? Faut faire attention. Quand nous lisons par exemple la Bible, prenons nos Bibles dans Jean 21, verset 25. Laisse-moi te montrer d'abord quelque chose là-bas. Non, ça c'est biblique, ça c'est pas biblique. Écoute d'abord ce que l'apôtre Jean va dire. Jean chapitre 21, verset 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même puisse contenir les livres qu'on écrirait. Comme pour dire quoi? La Bible n'a pas relaté tout ce que Jésus-Christ a fait. Donc il y a plein de choses que Christ a fait. Il y a plein d'enseignements qu'il a donnés. Mais qui ne sont pas dans la Bible. Il y a plein de miracles, peut-être plus grands même que ceux qui sont dans nos Bibles aujourd'hui, mais qui ne sont pas dans la Bible. Bien-aimés, il y a des paroles de Jésus que nous n'avons pas. L'apôtre Jean explique que la Bible que toi et moi nous utilisons ne représente rien par rapport aux œuvres et aux enseignements de Jésus-Christ, par rapport à la description de l'œuvre et de la personne de Jésus. Donc la Bible n'est pas complète en ce qui concerne Christ, en ce qui concerne l'Église, les choses qui se sont passées dans l'Église, les doctrines de l'Église. Donc la Bible ne nous présente pas tout Jésus. Voilà ce que Jean dit. La Bible ne nous présente pas tout Jésus. Ça veut dire quoi? En lisant la Bible, nous ne connaîtrons pas Jésus-Christ de manière complète. Parce que l'apôtre dit que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a enseigné, toutes ses œuvres, tous ces miracles, ces choses ne peuvent pas être écrites dans un seul livre. Il dit que même s'il fallait écrire les livres, les livres, les livres, le monde entier ne suffirait pas. Comme pour dire que Jésus a tellement fait, Jésus a tellement dit, Jésus a tellement enseigné que les apôtres ne pouvaient pas eux seuls écrire tout cela. Ils nous ont fait un résumé de ce que Jésus a fait. Donc la Bible est un résumé des enseignements et des œuvres de Christ. Donc, à partir de ce moment, quelqu'un qui a cette connaissance ne peut plus dire que ça, ce n'est pas biblique. Puisque Jésus-Christ lui-même va canoniser, il va canoniser et canaliser la doctrine chrétienne et l'esprit du christianisme en disant, lorsque l'esprit, il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Vous ne pouvez pas. Mais lorsque l'esprit de vérité sera venu, le consolateur dont je vous ai parlé, lui vous enseignera toutes choses. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. Comprenons la Bible, comprenons le christianisme. Lui vous enseignera toutes choses. Et si Jésus ne parle pas d'un enseignement qui vient de la Bible, il y a des gens qui disent que tout enseignement qui n'est pas inspiré par la Bible, toute révélation qui n'a pas sa source dans la Bible est fausse. Je dis que c'est faux. C'est pas toutes les révélations qui ont leur source dans la Bible. Non. Ce n'est pas toutes les doctrines qui ont leur source dans la Bible. Nous tous, sinon nous sommes faux. C'est-à-dire si nous allons sur la base que tout ce qui n'est pas biblique, puisque la Bible ne suffit pas, elle ne dit pas tout, elle ne relate pas tout, elle ne présente pas tout. Elle présente, ça veut dire l'infinitésimal de ce qui devrait nous être présenté. Le gros n'a pas été présenté. Bon, maintenant, comment faire pour savoir que ce que cet homme fait, ce que cet homme dit,
quoique ce ne soit pas biblique, que Jésus n'a pas dit ça dans les non-dits de la Bible, que ce n'est pas contenu dans les choses qu'on ne nous a pas rapportées dans la Bible. Quand tu vois quelqu'un, par exemple, prier, il saute sur un pied, tu dis ce n'est pas biblique, parce que dans la Bible, Jésus n'a pas sauté sur un pied. Qu'est-ce qui te fait croire que Jésus n'a pas sauté sur un pied, mais seulement qu'on n'a pas écrit cela? Ce n'est pas entré dans l'essentiel, mais que c'est dans les non-dits. Lorsque tu viens, tu trouves que j'ai pris sur les gens, j'utilise l'huile de palme, tu me condamnes que je suis un faux prophète parce que Jésus n'a pas utilisé l'huile de palme. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il n'a pas utilisé l'huile de palme, mais seulement que ça fait, c'est entré dans les non-dits, dans ce qui n'a pas été écrit, dans cette majorité écrasante des œuvres de Christ qui ne sont pas rapportées dans la Bible. Comment tu peux te baser sur des futilités pour dire que non, ça, c'est pas biblique? Qu'est-ce qui te prouve que ça ne vient pas de Christ? L'apôtre Paul a utilisé le mouchoir. Nous disons que bibliquement, Jésus ne l'a pas fait. Mais nous n'avons aucune preuve que cet homme n'a pas tiré son inspiration d'une séance de délivrance que Jésus-Christ a tenue et les a utilisé le mouchoir. Et que Paul a vu ça, où les frères ont dit que, on avait fait ça lors d'une campagne d'évangélisation avec Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dit, je vais répéter ça. Mais qu'on n'a pas écrit ça, comme Jean a dit, qu'il y a beaucoup de choses qu'il a faites qu'on n'a pas rapportées. L'apôtre Pierre a guéri par son homme. Qu'est-ce qui nous prouve que Jésus n'a pas guéri par l'homme et que Pierre a été inspiré par Christ? Les apôtres, à leur époque par exemple, les gens vendaient leur maison, ils venaient donner l'argent. Qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas de Christ qu'ils ont appris cela? Qu'à l'époque de Jésus lui-même, les gens ne vendaient pas leur maison pour lui apporter l'argent. Et les apôtres ont vu cela et ils ont maintenu cela dans la doctrine chrétienne, dans les dogmes de l'époque. Puisque ça pouvait relever des choses que Jean dit qui n'ont pas été écrites et qui sont la majorité écrasante des œuvres de Christ. Ça pose donc un problème. Ça pose un réel problème. Ça veut dire quoi? La doctrine chrétienne que nous avons n'est pas complète. Et je vais vous prouver ça tout à l'heure. On va voir. Tu vas voir que toi-même, tu fais beaucoup de choses comme ça qui ne sont pas bibliques. Et donc, si tu condamnes un homme de Dieu parce qu'il utilise telle chose et que ce n'est pas biblique, on ne trouve pas ça dans la Bible, et qu'il est faux, je te prouverai donc que le premier à être faux, c'est toi. Le premier à être faux, c'est toi qui dis qu'il est faux. On va voir cela. Et on reviendra maintenant sur la méchanceté qu'on trouve dans notre église aujourd'hui. La Bible, tenir la Bible en main ne veut pas dire que tu es vrai. Prêcher la Bible ne veut pas dire que nous sommes authentiques. Dieu connaît nos œuvres. M'insulter sur Facebook ne veut pas dire que tu es authentique. Tu veux montrer que tu es plus juste que moi. Quelle justice? Si on te dit d'écrire le mot justice, tu pourrais écrire ça. Tu vas écrire en sarabia. Tu peux écrire le mot justice. Tu vas montrer, non, nous on est là, les défenseurs de la vérité. On va regarder ta vie. Tu vis dans un mensonge où le diable lui-même est dans des soubresauts terribles. Le diable se demande que, mais le gars, c'est lui. Je suis le père du mensonge, mais lui, c'est un grand-père du mensonge. C'est un ancêtre du mensonge. C'est un doyen dedans. C'est ça le problème. Parfois, ceux qui veulent se passer pour juste là, c'est eux les vrais pécheurs. C'est eux les vrais pécheurs, c'est eux les vrais méchants. La justice de Dieu n'est pas dans leur cœur. La Bible dit, vous les reconnaissez par leurs œuvres. Tu viens toi-même citer, vous les reconnaissez par leurs œuvres. Et tu finis par m'insulter qu'avec tes oreilles, qu'on les antennes paraboliques, ça fait quoi? Si ça capte le canal, ça, ton problème, c'est où? C'est ton téléviseur que j'utilise. Hein? Entre nous, tu m'insultes, tu me cites la Bible, que vous les reconnaissez par leurs œuvres. Toi-même, tu m'insultes. Tes œuvres sont bonnes. Moi-même qui suis faux, je ne t'insulte pas. Mais cependant, toi qui viens me rectifier sur les réseaux sociaux, tu insultes ma mère, tu insultes mon père, tu connais mon père. Tu connais ma mère où? Si ma mère passe là, tu vas la connaître, tu vas la reconnaître. Je n'ai insulté ni ton père, ni ta mère. Toi qui es don de Dieu, tes œuvres, est-ce que c'est ça l'œuvre de ton Jésus? Ton Jésus est différent du mien. Le mien m'a enseigné de respecter les gens, de respecter chaque personne. La Bible dit que celui qui insulte le pauvre, insulte celui qui l'a fait. C'est ce que nous connaissons. Mais là, tu viens, tu bavardes n'importe quoi, et tu racontes des âneries, des choses qui n'ont rien de conneries, qui n'ont aucun sens avec ce que la Bible dit. Donc maintenant, qu'est-ce qui est biblique, qu'est-ce qui n'est pas biblique? Entre nous, qu'est-ce qui est biblique? Il faut déjà que tu comprennes que la Bible ne relate pas tout. Il n'y a pas tout dans la Bible. Elle est incomplète, c'est un livre incomplet. Dieu a mis l'essentiel pour notre salut, la lumière. Comme David dit, ta parole est une lampe sur mon sentier. Donc le peu là nous permet. Mais quand Jésus dit, mais quand le Consolateur sera venu, le Consolateur ne vient pas dans la Bible, frère. Il vient maintenant dans le monde réel. Lui vous enseignera toutes choses. Il prendra de ce qui est de moi et vous l'enseignera. Ça veut dire quoi? Il vous conduira dans toute la vérité. C'est, quand on parle de vérité, on parle de la révélation.
Donc, ce n'est pas des choses écrites dans la Bible forcément. Jésus dit, il prendra de ce qui est de moi, maintenant qu'il est au ciel, et vous enseignera cela. Donc, ne sois pas étonné que je vienne t'enseigner une révélation que tu ne trouves pas dans la Bible, mais que l'Esprit de Christ m'a donné et qui est authentique et qui est de Dieu. Ce n'est pas parce que tu cherches ça dans la Bible, tu ne trouves pas que ce n'est pas de Dieu. Et ce n'est pas aussi parce que ce n'est pas dans la Bible que ça ne peut pas être faux. Donc c'est ça, il ne faut pas faire l'amalgame. Donc il faut comprendre. Il faut comprendre les limites, les bornes entre les deux vérités. Donc frère, maintenant revenons. Qu'est-ce qui est biblique et qu'est-ce qui n'est pas biblique? Laisse-moi te citer. Et c'est un nombre de choses que tu fais et qui n'est pas biblique. Maintenant regardez, vous savez frère, nous avons les mariages aujourd'hui. Chacun de nous se marie. Chaque chrétien se marie. Et pour qu'un mariage soit reconnu dans l'église aujourd'hui, il faut qu'il soit béni dans nos églises. Quel homme de Dieu n'a jamais béni un mariage dans l'église? Ce n'est pas biblique. Il n'y a aucun verset biblique qui nous montre l'exemple d'un mariage qui a été célébré dans l'église et qui a été béni par les apôtres. Et il n'y a aucune doctrine chrétienne qui dit que quand deux chrétiens doivent se marier, ils doivent venir à l'église et le pasteur doit les bénir. Ça n'existe pas. La bénédiction des mariages, qu'on appelle bénédiction nuptiale, que chaque homme de Dieu tient à ça, en commençant par moi-même, n'est pas biblique. Donc ça veut donc dire, si faire ce qui n'est pas biblique veut dire qu'on est faux, nous tous on est faux. On est faux. Dans quelle église on ne bénit pas les mariages? Dans quelle église chrétienne on ne bénit pas les mariages? Ce n'est pas biblique. Il n'y a aucun passage de la Bible où Jésus demande qu'on doit bénir les mariages dans l'église. Où les apôtres ont enseigné que pour qu'un frère et une soeur se marient, ils doivent être bénis par le pasteur. Ça n'existe nulle part. Il n'y a aucun modèle de célébration de mariage chrétien dans la Bible. Ça n'existe pas. Ce n'est pas biblique. Donc, si parce que ce n'est pas biblique, on est faux, ça veut dire que nous tous, on est faux. C'est ça la vérité. Maintenant, lorsque nous célébrons nos mariages, revenons toujours sur le mariage. Quand on célèbre le mariage, toi qui m'insultes sur Facebook, qui es enfant de Dieu, le jour où tu te mariais, ta robe était plus grande que la robe de l'archange Michel. Ne me demande pas quelle robe il porte, parce que je n'ai jamais vu. Ta robe, c'est plus long. C'est-à-dire que même l'archange Gabriel s'étonne. Il dit que papa, dont le jasi existe aussi parmi les humains, tu portes ta longue robe, tu veux m'insulter sur Facebook. Tu as vu quel passage biblique qui dit que les chrétiens doivent porter les robes pour se marier. Les femmes chrétiennes doivent porter les robes pour se marier et les hommes mettent les costumes pour se marier. Ce n'est pas biblique. Il n'y a aucun modèle biblique de célébration de mariage où les femmes portaient les robes, où les hommes portaient des costumes. Ça n'existe pas. La robe de mariage n'est pas biblique. Il n'y a aucun verset de la Bible qui dit que pour vous marier, enfant de Dieu, la femme doit porter la robe de mariage et puis l'homme doit mettre le costume. Cette tradition vient d'où? Elle vient d'où? Mais nous tenons à ça. Va tenter de dire à une sœur que le jour où tu vas te marier, tu vas mettre le pantalon jean ou tu vas mettre le kaba. Elle va te demander que je te fais quoi? Elle va sauter sur ta tête. Elle va te cogner la calvitie. Va sortir sur ta tête. Tu ne tenteras plus jamais de dire, oser dire à une femme dans l'église que tu ne porteras pas la robe de mariée. Chaque femme veut porter sa robe de mariée. Ce qui fait le mariage aujourd'hui pour nos sœurs, c'est la robe de mariage. Elle se rêve dans sa robe de mariage. Elle se voit auguste. Elle se voit livide dans sa robe de mariage bellissime. Tente de lui dire que la robe de mariage, elle ne porte pas ça. Elle va quitter ton église pour aller trouver une autre église où célébrer son mariage juste à cause de la robe de mariage. Mais ce n'est pas biblique. Ce n'est pas justifié par la Bible. C'est une pratique qui n'est pas du tout biblique. Donc, ça veut donc dire que tous ceux qui font cela sont faux. Ils sont faux. Maintenant, lorsque vous regardez, par exemple, on dit, par exemple, à Réma, si tu ne présentes pas l'acte de mariage, on ne célèbre pas ton mariage à l'église. Il faut d'abord passer par la mairie. Frère, l'acte de mariage n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Il n'y a aucun modèle biblique de mariage à la mairie. L'alliance ici n'est pas biblique. Ça, ce n'est pas biblique. Ça n'existe pas dans la Bible. Il n'y a aucun modèle biblique qui disent, qui enseignent que les chrétiens pour se marier doivent aller se présenter devant monsieur le maire. Et que s'ils ne se marient pas devant monsieur le maire, on ne peut pas célébrer ça à l'église. Cette doctrine sort d'où? Elle vient d'où? Quel chrétien dans la Bible, quel apôtre, l'apôtre Pierre avait l'alliance au doigt,
Paul, Popo n'était pas marié. Les Barthélemy, les Matthieu, ils avaient l'alliance au doigt. Ils étaient allés devant le maire. Mais s'ils n'étaient pas mariés, s'ils reviennent aujourd'hui, ils voient comment nous faisons ça. Ils vont se demander que ça, c'est encore quoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas ça. Ce n'est pas biblique, ça vient d'où? Qui a commencé ça? Qui a commencé? C'est ça la vérité. Nous tous, nous tenons tellement à ça. Toi qui me suis dit que je suis un faux prophète parce que je fais des choses qui ne sont pas bibliques. Tu as ton alliance au doigt, on te dit d'enlever ça, tu te fâches. Tu portes toilette, tu vas avec. Tu vas à la cuisine, tu vas avec. Tu te laves avec. Tu tiens tellement à ça. Mais c'est écrit dans quelle Bible? C'est quelle Bible qui t'a dit de mettre l'alliance? C'est quel commandement de la Bible qui t'a demandé que pour te marier, on te met l'alliance au doigt? Cette pratique-là, est-ce qu'elle vient de Jésus? Est-ce que les apôtres nous ont enseigné ça? Non! C'est pas biblique. Donc tu es faux aussi. On est tous faux. Ne me dis pas que je suis faux, parce que j'ai fait quelque chose qui n'est pas décrit dans la Bible. Non. Toi-même, tu es faux, tu es plus faux que moi-même. Tu regardes, c'est même toi seul qui es faux. C'est ça la réalité, qu'il faut que les gens comprennent. Bon, maintenant, vous, avançons. Tu veux dire que c'est pas biblique? Ok, allons-y, continuons. D'accord. Toi, tu m'insultes. Tu as un diplôme en théologie. Tu sors d'une école biblique, on t'appelle pasteur. Toi, tu es pasteur parce que tu as un diplôme en théologie. Qui t'a dit que c'est biblique? Aucunement bibliquement, un homme de Dieu ne devient pas homme de Dieu parce qu'il est diplômé d'une école de théologie. Non! Bibliquement plutôt, un homme de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu a appelé. C'est une vocation divine. C'est une affaire entre Dieu et son serviteur ou sa servante. C'est Dieu qui t'appelle. Il n'y a pas de diplôme dedans. Les apôtres Pierre, Paul, tout ça, ils se sont inscrits dans quelle école de théologie? Ils ont fait 3 ans dans quelle école de théologie? Et ils ont reçu le diplôme de quelle école de théologie? Ils ont marché avec Jésus. Ils ont reçu une formation pratique avec Jésus-Christ. Ils ont été appelés. Ils ont été choisis. Ils ont été appelés. Ils ont reçu la vocation divine. Et Dieu leur a apporté la révélation, le don du ministère. Il s'est puissant par don. Voilà pourquoi les gens étaient parfois étonnés. Que mais ces hommes, ils les traînent. Mais ils sont puissants comme ça. Ils sont devenus intelligents comme ça. Comment? Par les dons de la vocation ministérielle. Quel apôtre parmi eux est allé faire une école biblique? Jésus les a amenés dans quelle école biblique? Jésus était le directeur de quelle école biblique, frère? Ils ont payé combien? Tu vas dans l'école biblique, tu payes la pension. Quel est le passage de la Bible qui dit qu'il faut faire les écoles bibliques et on paye pour être formé pour servir Dieu? Quel est le modèle biblique? C'est pas biblique du tout. Le diplôme biblique, là, tu as vu ça où? Il y a quel diplôme que les apôtres ont eu? Il y a quel serviteur de Dieu dans la Bible qui a dit, voici, je suis diplômé. Moi, en dehors de Paul, qui a fait l'école de Gamaliel, qui n'était pas une école chrétienne, mais une école judaïsante, pour être formé comme pharisien, parce que Paul faisait partie du Sanhédrin. Paul faisait partie du Sanhédrin, c'est-à-dire des 70 anciens. Il faisait partie des 70 anciens. Et bon, je veux dire, il ferait partie des 70 anciens, parce qu'il y a des preuves qui prouvent que Paul, parce que l'apôtre Paul dit qu'il a approuvé la mort d'Étienne, le diacre Étienne. Et quand on dit, ce n'est que le membre du Sanhédrin qui pouvait approuver la lapidation d'un homme, la condamnation à mort d'un homme. Chacun devait apporter un caillou blanc ou un caillou noir et poser. Les 70, chacun posait son caillou et on votait. C'est-à-dire que si ceux qui étaient majoritaires l'emportaient, on prenait la décision. Paul dit qu'il a approuvé la mort d'Étienne. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas approuver ça s'il n'avait pas été. Ah non. Donc, et l'apôtre Paul dit, et à ceux qui sont veufs, je leur demande de demeurer comme moi. Comme lui, comment? Ça évoque qu'il est veuf. À ceux qui sont veufs, je leur recommande de demeurer comme moi. Ça veut dire quoi? On pense que soit l'apôtre Paul a perdu, était marié et a perdu son épouse, elle est morte, et donc elle est restée veuve. Ce verset-là, ce passage de la Bible nous fait sous-entendre cela. Ou alors, l'apôtre Paul, peut-être, certains biblistes pensent que quand il a accepté Jésus, sa femme l'a quitté. Donc sur la base de ces deux lumières bibliques, on peut dire que l'apôtre Paul était membre du Sanhédrin. Vous comprenez? Donc, lui, il a fait l'école de Gamaliel, ce qui était important encore, pour être membre du Sanhédrin. Mais quel apôtre de Jésus a fait une école biblique chrétienne? Donnez-moi le nom d'une école biblique chrétienne dans la Bible. Ça n'existe pas. Donc, tous ceux qui font les écoles de théologie, là, sont anti-bibliques. Ils sont hors de la Bible. Ça donc dit que tous sont faux.
Parce que ça n'a aucun fondement biblique. Les diplômes. Les gens sont hommes de Dieu aujourd'hui par diplôme et non plus par vocation divine. Quelqu'un te dit, j'ai un doctorat en théologie, j'ai un master en démonologie. C'est ça qui va te donner l'onction de chasser les démons. Les démons ne vont pas te fuir parce que tu as un master en démonologie. Non. Ou les anges ne te rendront pas ministère parce que tu as une maîtrise en angélologie. Non. Tu peux avoir un doctorat en herméneutique, en homilétique, mais ne pas prêcher de façon vivante. Tu prêches, les gens se demandent que le doctorat là c'est quoi? Non, le ministère c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui équipe. Le ministère est spirituel. Donc c'est ça mes bien-aimés. Nous devons comprendre ces choses-là. Qu'est-ce qui est don biblique? Qu'est-ce qui n'est pas biblique? Si quelqu'un fait ce qui n'est pas biblique, il est faux. Ça veut donc dire que toi aussi, bien-aimé, tu es aussi faux. Maintenant, revenons sur les bâtiments. Quand nous regardons les belles chapelles que nous construisons aujourd'hui, vous regardez la Bible, on a mis un grand bâtiment sur place. Plus de 600 millions investis pour construire cette maison-là, ce bâtiment-là. Bien-aimé, quel est le bâtiment chrétien que vous connaissez dans la Bible? Les chrétiens primitifs, les apôtres ont bâti quelle église? Ça n'existe pas dans la Bible. Il n'y a aucun modèle dans la Bible d'une église qu'on avait bâtie où les frères allaient se rassembler pour prier le Seigneur. Non, les gens priaient Dieu dans les maisons. Quelqu'un donnait son salon, on prie là-bas. Quelqu'un donne sa chambre, les frères se rassemblent là-bas. 30, 10, on prie. Excusez-moi, on prie, on vient, ils prient. Excusez-moi, je suis où il y a la chaleur. Donc, on prie, dans les chambres, en cassette. Ils n'étaient pas nombreux, ils ne se rassemblaient pas 1000. Non, c'était 50, 100, 10, 15, ils se rassemblaient. Ils n'avaient jamais construit chapelle. Il n'y a aucun modèle de chapelle que nous construisons, de basilique que nous construisons dans la Bible, ça n'existe pas. Dans l'église chrétienne, ça n'existe pas. Donc, ça veut dire que tous ceux qui construisent les églises là font ce qui n'est pas biblique, ils sont tous faux. Ça n'existe nulle part. C'est ça la réalité. Il n'y a aucun verset biblique où le Seigneur Jésus-Christ a dit que pour me servir, construisez les chapelles. Non. Maintenant, laisse même l'histoire des chapelles. Revenons sur les dénominations ecclésiastiques que nous avons aujourd'hui. Rema Ministry Mission, Congrégation Baptiste Camerounaise. Plein évangile, assemblée de Dieu. Ce n'est pas biblique, mes amis. Ça n'existe nulle part. Il n'y avait aucune dénomination dans l'église de Jésus-Christ, bibliquement parlant. Non! Il n'y avait pas de dénomination. On parlait juste de la vraie église de Dieu. L'église du Christ. L'église de Dieu. L'église de Christ. Et tous étaient dans la même église. Il y avait une seule et même église. Les dénominations que nous avons aujourd'hui n'existait pas. Ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, nous le faisons. Les dénominations se multiplient. Et ça, c'est biblique. Qui nous avons pris la source d'inspiration de quel passage de la Bible? Personne ne justifiera ça, la dénomination de son église. Après, tu vas dire, Dieu m'a inspiré le nom de mon église. Dieu m'a donné tel nom. Dieu souffre. Le philosophe Montaigne a dit ceci. À partir du moment où les hommes se sont avisés de faire parler Dieu, chacun l'a fait parler à sa manière. C'est ça la vérité. Et la faiblesse du christianisme aujourd'hui, son exagération, c'est quoi? Dieu m'a dit que, et comme Dieu ne viendra jamais se justifier, le pauvre, au ciel, il suit tous les jours. Parfois, Satan lui met ce soir, dit à Dieu que, ah, car le Père, si, regarde où je suis loin de ton enfant, là, il m'accuse. J'ai fait quoi? C'est-à-dire que soit c'est Dieu, soit c'est Satan. Nous-mêmes, on ne fait rien. C'est dangereux, mais bien aimé. Donc, nous construisons nos églises, là, on construit jusqu'à tu viens, tu t'assois même, quelqu'un s'assoit sur ta chaise, tu le gifles. Comme j'ai vu une sœur gifler un homme un jour à Rema. Parce que le frère s'est assis sur sa chaise. Elle l'a giflé une bonne claque. Bah! Elle l'a giflé. Le problème maintenant, c'est que toi, tu discutes la chaise, tu t'assois dans un temple qui n'existe pas dans la Bible, qui n'a aucune inspiration biblique. Ce n'est pas biblique, bien-aimé. Donc si tu dis que je suis faux, toi-même tu es faux. Parce que toi aussi tu fais des choses qui ne sont pas bibliques. Maintenant, revenons sur quelque chose qui est très sérieux. Écoute-moi bien, c'est très sérieux. Écoute bien ça. On va parler. Tu veux parler christianisme, non? Reste, ne fuis pas. Manoron, reste. Jodoro, t'as dit Moussa. Hedita, bien, mitimina. Reste là, on va finir. Tu as commencé, je vais finir ça avec toi. Tu as commencé, reste, ne fuis pas, ne bouge pas. Reste, ne dis pas que je veux marcher, reste. Tu vas préparer après que le programme va finir. Regarde, les soutanes que les hommes de Dieu portent aujourd'hui, on porte les soutanes. On porte le col pastoral.
Le col blanc, vêtements noirs. C'est quelle Bible qui enseigne ça? C'est quelle Bible? Homme de Dieu, parlez-moi, évêque, parlez-moi. On a les soutanes, on a les cannes. Quel apôtre a porté la soutane? Bibliquement parlant. Quel apôtre marchait avec la canne? En dehors du sacerdoce de Moïse. C'est pas biblique. Tu viens, tu me menaces. Avec ton col pastoral, tu te fâches contre moi. Que moi, je suis un faux pasteur. Parce que je n'ai pas le col pastoral. Aujourd'hui, l'authenticité d'un pasteur se donne avec sa soutane. Ou bien, ça dit, c'est les vêtements de cérémonie. Les apôtres étaient allés dans quelle cérémonie? En soutane. Les apôtres sont allés dans quelle cérémonie? En col pastoral. Ils n'ont jamais mis ça. Ce n'est pas biblique. Il n'y a aucune inspiration biblique là-dessus. Mais les gens le font. Et ce parce qu'ils le font, ça dit qu'ils ne sont pas de Dieu? Non. Pas forcément. Non. C'est pas que ce qui n'est pas, c'est pas parce que ce n'est pas biblique que c'est un péché contre Dieu. C'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose qui n'est pas biblique qu'il n'est pas de Dieu, qu'il est faux. Non, faut faire attention. Faisons attention. Donc, mes bien-aimés, la soutane que tu mets là, ça traîne par terre. C'est-à-dire que quand tu marches là, ça tire tout l'air, la poussière, ça tire ce qui est bon, ce qui est mauvais. Jésus a porté la soutane quand? Les apôtres ont porté la soutane quand et où? Ils ont mis le col pastoral quand? Ils se sont habillés en noir avec le col pastoral quand? Ils en ont fait un vêtement de cérémonie où? Tu as vu ça où? De ça, on dit que si quelqu'un est faux, tous les évêques que nous avons, les archevêques, etc., qui portent ces choses-là, nos frères qui croient en ça, sont faux. Mais il faut faire attention. Ce n'est pas biblique. Maintenant, si tu laisses même la soutane, on dit, ok, bon, portons les soutanes, ça va, mets ta soutane, mets, prends la soutane. Prends ça, go, pas avec, il n'y a pas de problème. Reste, aucun problème. Maintenant, on va te demander que les associations pastorales auxquelles nous appartenons, on a vu ça où? Si vous savez qu'aujourd'hui, il y a des villes au Cameroun où si tu n'appartiens pas à une association d'hommes de Dieu, tu n'es pas reconnu comme authentique. C'est-à-dire que les gens font des associations pastorales le baromètre de l'acceptation d'un ministère ou d'une église. Mon ami, c'est toi qui m'as appelé. Quand on m'appelait, tu étais là. Je m'en fous de ton association pastorale. Je m'en fous. Mon authenticité n'est pas déterminée par une association pastorale. Mais bien aimé, ce n'est pas biblique. Les apôtres avaient formé quelle association pastorale? Il n'y avait aucun. Vous connaissez, donnez-moi le nom d'une association pastorale ou apostolique que les apôtres avaient formée. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Hein? Je me souviens quand nous sommes arrivés dans la ville de Ngaoundéré à l'époque. Il y a une association pastorale. Je suis allé à la réunion là, une fois, deux fois. Des nids d'hypocrites. Des nids d'hypocrites et de méchants. Tu arrives à l'association, avant que tu n'arrives, les frères sont en train de te calomnier. On t'insulte. Dès que tu arrives, on te sourit. Ah, bien-aimé, bien-aimé. Nous ne sommes pas de ce genre. Je ne supporte pas le méchant. Je ne supporte pas les hypocrites. Je ne marche pas avec les hypocrites. Jamais. Jamais. Je ne mets pas mes pieds dans ces choses-là, des bêtises-là. Tu arrives là, il y a ton frère, il ne te salue pas. C'est quelle association? C'est quelle association? Ça fait avancer en quoi? Jésus était dans quelle association? Les apôtres étaient dans quelle association? Quel est le passage biblique qui nous a dit qu'il faut que nous nous organisions en association? Au contraire, Jésus demande même plutôt qu'on soit un. L'apôtre Paul a tellement lutté contre la division, il a dit on soit en sorte que telle association est contre telle association, les membres de telle association sont contre les membres de telle association, et nous-mêmes avons contribué à diviser la maison de Dieu. Est-ce que ça veut dire que ceux qui sont dans ces associations sont faux? Non, pas forcément. Mais moi, personnellement, j'ai un problème avec les associations pastorales, parce qu'il y a trop d'hypocrisie dedans, trop de haine, trop de jalousie, trop de concurrence charnelle dedans. C'est compliqué de voir une association pastorale. Vous me faites bien dire qu'association ou so. C'est compliqué de voir une association pastorale où tous sont unis. Ça sert donc à quoi de vous rassembler si vous n'êtes pas un? Ça sert à quoi de prier avec toi si tu ne crois pas en moi? Ça sert à quoi que je prie avec toi? T'as dit quand je sors, tu me dis, tu vas dire après que j'ai les sirènes des eaux. C'est les sirènes des eaux qui me donnent mon argent. Bien aimé. Si on te demande que tu as déjà vu la sirène des eaux là, tu vas dire quoi? Pasteur menteur. Ya! Tu gagnes quoi?
Tu peux dire non, l'agent du prophète Kane veut la sirène des eaux. Tu as déjà vu la sirène là, frère. Tu as déjà vu ça? Sincèrement. Tu penses que si tu avais vu une sirène des eaux sur moi, ça ne serait pas sur Facebook. Avec la haine que tu as contre moi là, tu n'aurais pas filmé ça, c'est que c'est sur Facebook. Tu ne serais pas en train de bavarder. Tu aurais porté la sirène, tu aurais attrapé la sirène là dans le filet pour dire voici la sirène du prophète Kane. Pourquoi nous sommes si méchants? Pourquoi nous sommes si envieux? Pourquoi nous sommes si gentils? Bien-aimés, dont notre Dieu ne peut plus nous bénir, dont notre Dieu ne peut plus donner l'argent, l'argent, son argent est fini, Dieu est en faillite, sa banque s'est vidée. Donc tu veux dire quoi? Que Dieu est devenu pauvre? Ah! En sorte que ceux qui sont riches, c'est les enfants du diable. Jésus a dit, les fils de ce siècle sont plus intelligents que ne le sont les fils du royaume. C'est là où ils nous ont dépassés. Quand un enfant, quand vous voyez les réseaux chrétiens parmi eux, il s'appelle frère. Quand un réseau chrétien a une affaire, il va d'abord donner son affaire à son frère rosicrucien. Quand un musulman a un business, il va d'abord donner chercher son frère musulman. C'est quand il n'y a pas un musulman à côté de lui qui peut donner à un chrétien. Tu as vu un musulman aller au nord? Va louer la maison au nord pour faire l'église. Tu vas souffrir comme ça. Ils ne donnent pas leur maison aux chrétiens, c'est rare. Ils donnent ça à leurs frères musulmans. Ce n'est que nous, c'est-à-dire nous qui nous condamnons les uns les autres et qui nous humilions en public devant les gens. Tu viens sur Facebook, tu m'insultes dans un baragouin qui n'a pas de nom, dans un français zozoté. Sincèrement, c'est malheureux. Et tu insultes le Saint-Esprit sans t'en rendre compte. Je ne réponds pas parce que quelqu'un va te répondre. Avec ton gros doigt même qui n'écrit pas bien français. Je décris ton doigt, c'est ça la vérité. Bon, maintenant, bien-aimés, nous restons ici et nous disons que nous servons Dieu. On dit non, ça va. Le Seigneur est bon. Tel fait ceci, il n'est pas de Dieu. Tel fait cela, il n'est pas de Dieu. C'est de la méchanceté, mes bien-aimés. C'est de la pure méchanceté. Nous devons nous repentir. Devons nous repentir. Maintenant, lorsque tu regardes les concerts, je parle aux artistes maintenant. Qui n'est pas encore allé dans un concert? Qui? Moi, je ne crois pas que je suis allé dans un concert. Les concerts que nos artistes organisent, il y a quel passage biblique qui disait que les apôtres allaient dans les concerts? Ou que les frères de l'église primitive organisaient les concerts et les gens payaient pour entrer? C'est quel biblique? C'est quelle Bible qui enseigne cela? Ça n'a aucun fondement biblique. Jamais de la vie. Il n'y a pas de concert dans la Bible. Il n'y a pas de concert chrétien dans la Bible. Ni moins encore de concert payant. Où tu pars, tu payes. Toi, tu me suis sur Facebook. Il y a Facebook dans la Bible, c'est biblique. Hein? Il n'y a pas de concert dans la Bible. Mais tu vas dans le concert. Toi-même, tu organises, tu es en train d'organiser le concert. Tu veux m'insulter que moi, je ne suis pas biblique. Je fais les choses qui ne sont pas bibliques, donc je ne suis pas de Dieu. Non! Ces choses-là ne sont pas bibliques. Les concerts, ce n'est pas biblique. Bien-aimé, la vente des CD qu'on nous vend, nos artistes nous vendent, c'est quel exemple qui montre que les psalmistes de la Bible faisaient les CD où ils faisaient les sommes et ils vendaient. Les sommes ont été données gratuitement, mises à disposition du peuple. Toi, tu vends ta part. Tu as l'argent sur ça. On dit que nous, on escroque les brebis. Nos musiciens ne nous escroquent pas. C'est ça la vérité. Ce n'est pas biblique, mais bien-aimé. Donc, bien-aimé, l'hypocrisie n'est pas bien. Sois chrétien, mais sois vrai. Je préfère vous dire mes choses. Je partage mes faiblesses. Je partage. La diarrhée m'attrape, je te dis, mais la diarrhée m'a attrapé. Je suis vrai. Je veux être un homme vrai devant toi. Je ne veux pas me faire passer pour ce que je ne suis pas. Accepte-moi comme je suis, avec mes atouts et mes défauts. Si tu ne peux pas m'aimer comme ça, c'est à prendre ou à laisser. Je ne cherche pas à blanchir ma vie ou à être ce que je ne suis pas. Non, prends-moi comme je suis. Je vais aux toilettes. Je suis un prophète. Mais moi, je vais aux toilettes. Je discute le pot avec Jemima. Je m'en fous. Si ça te déplaît, j'étais avec un homme de Dieu un jour. Nous sommes allés à la radio. Quand on arrive à la radio, il y a les toilettes publiques, les toilettes, avec les toilettes, la radio. Et je lui dis, attends-moi ici. Il me dit, tu vas. Je dis, je vais aux toilettes. Moi, je vais aux toilettes. Quand je sors, il me dit que frère, comment tu peux aller dans les toilettes de tes employés? Comment tu peux faire ça? Hein? Comment tu peux aller te mettre à l'aise devant tes employés? Donc moi, c'était un peu comme si on m'avait assommé. C'est comme si j'étais dans un rêve. C'est-à-dire, je ne comprenais pas ce qui se passait.
Il m'a dit, moi, je ne peux jamais faire ça. Je préfère encore supporter. Donc, je vais supporter, je meurs. Parce que je ne veux pas aller aux toilettes, vacher aux toilettes, je refuse d'entrer. Parce que je ne veux pas entrer devant mes employés. Et je vais m'intoxiquer le ventre. Et je meurs parce que, par orgueil, mon ami, je libère. Je lui dis donc, mes employés, là, ce n'est pas des hommes. Ce n'est pas des frères en Christ. Ou c'est parce que sur le patron que je veux prendre supériorité sur eux, comme si c'était des sous-hommes. Hein? Avant que Dieu ne m'appelle, le toilette, si c'est très moderne même. On avait le genre de toilette ici, au nord. Nous, c'est le bois qu'on mettait. Quand tu te mets là, quand tu regardes les asticots, tu vois les asticots en train de rendre ministère en bas. Toi, si tu rends ministère en haut, il rend ministère à partir du bas, tu rends ministère à partir du haut. Tu t'accroupis là, tu fais attention, tu gardes de temps en temps parce qu'un serpent peut te mordre d'en bas. Tu peux recevoir une attaque d'en bas. Maintenant, on arrive ici parce que Dieu m'a élevé. Quelle élévation même? Hein? Élevé même où? Les pieds sont au sol. Dieu t'a élevé, tu viens, les toilettes ici, modernes même. Parce que tu es devant les employés, tu ne parles pas pourquoi. Pourquoi se faire passer pour ce qu'on n'est pas? C'est ça qui tue l'église aujourd'hui. Et c'est ce qui tue beaucoup d'hommes de Dieu. On pense que tu ne vas pas aux toilettes. On pense que toi, tu n'urines jamais. Même manger, il y a des hommes de Dieu qui ne peuvent pas manger devant leurs brebis. Et c'est pour cela que le jour où tes brebis vont découvrir que tu es un homme comme elles, elles vont te fuir. Elles vont dire, donc l'homme s'il faisait popo, hein. Et les gens vont te fuir, l'église va se vider. On va dire, ah, donc il mangeait, l'église va se vider. Donc moi, je pense que soyons naturels. Soyons vrais. Moi, si j'ai à te dire à l'église, je te dis. Quand je me fâche, tout le monde sait que je suis fâché. Je ne veux pas être un hypocrite. Quand je suis mécontent, tout le monde sait que je suis mécontent. Donc si tu m'aimes comme ça, tu me prends. Tu ne m'aimes pas, prends ta route, tu pars. D'ailleurs, je t'ai même appelé. Je prends ma part, je pars. Chacun part. On va se retrouver au ciel. On peut se séparer sur la terre, on se retrouve au ciel. Donc, maintenant, regardez. À cause de ces choses, la jalousie, à cause de cette hypocrisie, il y a des hommes de Dieu. Parce que les gens se demandent que pourquoi le prophète Ferdinand Kane est recroquevillé sur lui-même. Pourquoi il est blotti sur lui-même? Pourquoi je ne monte pas, je ne descends pas avec les hommes de Dieu? Pourquoi? À cause de la méchanceté des hommes de Dieu. Il y a de cela quelques années. Vraiment, excusez-moi. Oh. Il y a de cela quelques... Il y a les gens qui disent, comment un homme comme toi, tu peux marcher avec les babouches? Bien-aimé, je suis né avec les chaussures fermées. Je suis né avec la pointinille. Moi, je lavais le mouton là-bas à Garoua. Il y a même un mouton qui avait échappé. À moi, j'allais me noyer. Et Dieu me prend. La Bible dit ceci. N'oubliez pas les craies du rocher duquel vous avez été tirés. L'orgueil, c'est la mort. L'orgueil, c'est la mort. Quand vous voyez une personne orgueilleuse, elle ne comprend pas la vie. La vie, si mes bien-aimés, c'est zéro. C'est zéro. Je peux finir la mission aussi. Là, on vous dit que je suis mort. Voilà le docteur Chalessomba qui est parti. Voilà Mami Shalom Ekane qui est parti. Je n'arrive pas toujours à croire que ma bien-aimée soit partie. C'est toujours comme un rêve. Si on pouvait, c'est-à-dire voyager au séjour de mort, aller chercher quelqu'un, longtemps je serais revenu avec elle. Parfois j'ai envie d'aller à Essos, là-bas, parce que je me dis peut-être je vais la retrouver là-bas. Je ne sais pas. Si je connaissais où les morts sont, j'aurais pris ma voiture, j'aurais payé l'avion, j'aurais marché à pied, je serais allé là-bas pour gréver là-bas que je veux, ma bien-aimée. Je l'aurais fait. Mais c'est au-delà de mes forces. Elle est partie. Pourquoi être orgueilleux? Pourquoi être orgueilleux, frère? Tu te vantes sur la base de quoi? Tu es quoi d'abord? Alors, tu sais de quel bois je me chauffe? Tu sais de quel bois je me chauffe? Tu sais de quel bois je me chauffe? Tu connais les bois. Si on t'amène les essences de bois là, tu sauras. Mais si tu te chauffes avec le bibiga ou bien avec l'iroko ou bien avec le bois d'ébène, ça fait quoi qui? Tu es zéro. C'est ça la vérité, mes bien-aimés. C'est ça la vérité. Sois humble dans la vie, mon ami, sois humble. Ne sois pas orgueilleux parce que tu es belle. Le jour où Dieu va faire que ta fesse va se brûler, ou bien un côté de ton visage va être brûlé dans le feu, c'est où tu sauras qu'il fallait donner gloire à Dieu en toutes choses. Donc, la jalousie ne nous mène nulle part. Si Dieu m'accorde la grâce de faire ce que tu n'as pas fait, ne te fâche pas. Réjouis-toi, parce que c'est pour le bien de l'église. Le trophée revient à l'église et la gloire à Jésus-Christ. Et la joie pour nous tous, bien-aimés. C'est ça la vérité. Donc cet homme de Dieu dont je veux parler aujourd'hui, c'est quelque chose de très fort. Très fort! Dangereux! Cet homme de Dieu m'a croisé. Et au début du ministère, je l'ai honoré, bien-aimé. Je l'ai honoré. On l'a invité à Rema chaque fois. Je lui ai donné la parole, il a prêché. Et je lui ai donné des enveloppes conséquente. Et il était heureux.
Je l'invitais régulièrement. Il était venu me dire que Dieu lui a dit, je te donne les clés de la ville de Yaoundé, je te donne. Dieu, Jésus, dans une vision, m'a donné les clés de la ville. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je prends les clés. Si Dieu te donne, tu prends. Dans mon patron, dit là où qui m'a dit, Dieu te donne, prends seulement avec deux mains. Ok. On a commencé à l'inviter à bas de cette révélation. Et un jour, quelque chose va se passer. Il y a une jeune sœur qui faisait mon petit déjeuner. Elle m'avait dit que Dieu lui avait dit qu'il faut qu'elle fasse mon petit déjeuner. Et donc, à l'époque, on venait d'ouvrir la radio. C'était en 2014 ou 2013. Et elle apportait le petit déjeuner tous les jours. Et elle est tombée enceinte. Celui qui l'a enceinte l'a abandonnée. Elle avait abandonné l'église pour un certain nombre de temps. Et elle s'est retrouvée à l'hôpital avec le prophète Martial Séné, qui connaît bien l'histoire-ci. Et c'est le prophète Martial qui va m'appeler pour me dire, il y a une de tes filles qui est à l'hôpital, moi aussi, avec mon cœur. Je vais aller à l'hôpital, je lui demande le père de l'enfant est où. Elle dit, je ne sais pas. On s'engage, je m'engage à payer les frais d'hôpital pour qu'elle accouche. Je m'engage à tout faire pour elle. Et c'est là que le prophète Martial m'appelle pour me dire qu'elle a dit à sa femme qu'il y a tel prophète, c'est-à-dire le prophète qui était venu me voir, qu'il, en vision, il a vu que Dieu m'a donné la clé de la ville de Yaoundé. Que ce prophète est venu la voir dans la boutique où elle travaillait, où elle faisait mon petit déjeuner, pour lui dire, nous on a commencé avec le prophète Ekane. Maintenant il nous dévance en tout. Ça veut dire quoi? Il pense qu'il est plus grand que qui? J'ai déjà dit que je suis plus grand que quelqu'un. J'ai déjà dit, j'ai entendu un jour moi, faire me dire, dit le genre de parole, tenir le genre de langage, que je suis le seul homme de Dieu qui a fait ceci. Je suis le seul qui a fait ceci. En dehors de moi, aucun homme de Dieu n'a jamais fait ceci. Au Cameroun, Dieu m'a appris la modestie. Dieu m'a dit, le jour où tu deviens orgueilleux, j'enlève mon don dans ta vie. C'est pour ça que je me méfie. C'est pour ça qu'avant de prophétiser, de rendre ministère, je me mets toujours à genoux. Même si je suis habillé comment, je me mets toujours à genoux devant le monde entier. Pour toujours me rappeler aux hommes que je ne suis qu'un instrument inutile. Et me rappeler à moi que je suis zéro. Et que c'est Christ qui est quelque chose en moi. Donc ce jeune prophète va aller la voir et lui dit, nous avons appris que c'est toi qui fais son petit déjeuner. Nous ne voulons plus de lui parce que sa présence nous empêche de grandir. Sa présence nous empêche d'évoluer. Sa présence nous met dans l'ombre. Donc, nous te proposons 1,5 million. Il est avec notre homme de Dieu. 1,5 million pour que tu l'empoisonnes. Mets le poison aussi dans sa nourriture. Finis avec lui. Et donc, je demande au prophète Martial que, qu'est-ce qu'elle a répondu? Il me dit, non, c'est mieux que tu parles avec elle. Voilà comment je vais à l'hôpital et je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, oui, tel prophète qu'on appelle comme ça, je préfère taire le nom. Il est venu avec un autre prophète, il m'a vu. Il m'a dit, on a discuté, il a dit, je te paye 1,5 million, tu empoisonnes. Elle dit que je ne le connaissais pas. Et c'est vrai, elle ne le connaissait pas. Elle l'a décrit exactement. Et il lui a dit des choses qu'il avait faites à l'église que nous connaissions tous. Donc, elle a donné le nom et c'était vrai. Description vraie. Et les choses que nous, on a consommées, moi, j'étais allé lui donner tes révélations, tout ça était vrai. Et elle dit donc au frère, hein, elle dit au prophète que 1,5 million, c'est petit. Trouvez-moi au moins 2,5 millions. Parce que le prophète, c'est un gros calibre. Hein, pour le renverser, le tuer là, ce n'est pas. Il ne faut pas prendre ça comme si c'est un pasteur simple qu'on tuait. Donc, ajoutez 1 million sur ça, 2,5 millions. Ils lui ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Nous allons aller réfléchir pour voir si on peut payer les 2,5 millions ou pas. Et j'ai dit, et qu'est-ce qui s'est passé, ma fille? C'est-à-dire qu'elle est à l'hôpital, elle est mourante. Je n'ai rien à voir dans sa grossesse. Quelqu'un, un buveur, un ivrogne l'a enceinté, l'a abandonné, l'insulte avec la grossesse. Et je viens pour l'aider dans cette grossesse. Je viens payer son accouchement. Je paye la layette. Elle était en train de discuter le prix. C'est-à-dire ma vie aux enchères. Pourquoi l'église est arrivée à ce niveau? Qui t'a dit qu'un homme peut empêcher ton ascension? Homme de Dieu, si Dieu t'a appelé, aucun homme ne peut empêcher que tu accomplisses ta destinée. Quand Dieu dit une chose, quel homme peut l'arrêter? Et si la Bible ne dit pas l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la sorcellerie contre Israël, frère, quel Dieu nous servons finalement? C'est un marabout, c'est Dieu. C'est un Dieu limité ou bien c'est le Dieu omnipotent que nous servons. Elle était en train de compter ma vie, au prix, évaluer ma vie à 2,5 millions, bien-aimés. 2,5 millions? Hein? 2,5 millions. Je lui avais fait quoi? Je l'aidais au contraire. J'aidais cette femme.
Cet homme de Dieu, je l'aidais, je le bénissais financièrement parlant. Et quand ils sont revenus quelques jours après, ils lui disaient que non, prends le 1 million et demi, on ne peut pas avoir 2 millions et demi, c'est trop fort pour nous. Elle leur a dit, dans ce cas, je refuse le marché là. C'est sûr, me trouver les 2 millions et demi. Bien aimé, elle me racontait ça, elle était dans des souffrances atroces, dans sa grossesse. C'est comme si elle, je rêvais. Donc quand elle parlait là, c'est comme si sa bouche était au ralenti. Je n'entendais plus rien. Je disais que mon Dieu, cette femme pour qui je suis prêt à mourir, pour qui je suis prêt à abandonner mes propres affaires, pour investir de l'argent que Dieu m'a donné, pour qu'elle ne meure pas dans cet accouchement. Elle discutait ma vie à 2 millions et demi. Je suis sorti de cet hôpital, je suis parti. Jamais plus on a eu de contact. Voilà ce que l'Église est devenue aujourd'hui. Voilà ce que nous vivons dans l'Église aujourd'hui. Les guerres, les divisions, les insultes, les querelles. Allez voir sur Facebook, lisez les commentaires après ici. Voyez ce que ceux qui s'appellent enfants de Dieu font. C'est une honte, mes bien-aimés. C'est une honte. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de l'Église de ce siècle. Et que Dieu nous délivre de ce cœur de pierre et nous donne à chacun de nous des cœurs de chair. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. J'ai tellement de choses à dire, mais je n'ai pas assez de temps. Demain, 10h, s'il te plaît. Demain, connecte-toi à 10h. On va entrer dans des révélations des choses que les hommes de Dieu ne veulent pas vous partager. Qu'on ne veut pas vous dire. On va déballer ça. La semaine-ci, je déballe tout ça. S'il te plaît, partage dans le groupe. Habitants de Douala, je suis à Douala. Rendez-vous tout à l'heure à 16h. En Dogbon, derrière l'immeuble Camelet. Tous les soirs, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Dieu m'a envoyé dans cette ville pour mettre fin à la puissance de Satan dans ta vie et dans ta famille. Ce soir, prière de délivrance et de guérison, restauration de prophétie, ne manque pas à partir de 16h. L'église est au quartier Ndogbon, derrière l'immeuble Camelet. C'est la pratique, la démonstration d'esprit et de force. Quel que soit le démon qui est derrière toi, la sorcellerie, on t'a attaché. Rien ne marche dans ta vie. La nuit, tu ne dors pas, tu es opprimé. Quelle que soit la maladie qui est dans ton corps, ce soir, le Seigneur veut te libérer. Que Dieu te bénisse comme tu viens, au nom de Jésus. À Yaoundé, préparez-vous. Vendredi, à partir de 16h à la Bible. Combat spirituel, la guerre de l'éternel contre nos ennemis. Viens avec l'enfant, viens avec tes enfants, c'est les vacances. Ne reste pas à la maison. Que Dieu te bénisse. Dieu veut te délivrer de la main de tes ennemis. Ne reste pas à la maison. Je t'aime d'un amour vrai. Shalom, shalom, shalom. Rendez-vous demain, dès qu'il sera 10h. Que Dieu te bénisse, au nom de Jésus-Christ. Amen.